J'aime bien l'idée que un poème ce soit, je reprends quelqu'un d'autre, mais qu'un poème soit une bouteille jetée à la mer avec un message et la trouvera la bonne personne en fait. J'ai un intérêt marqué pour les choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de mentions aux astres, à la nuit. En fait, c'est oui, une manière de vivre où, et de réfléchir où j'ai tendance à aller voir et ressentir ce qui n'est pas visible ou alors ce qui est entre les choses. Ces poèmes sont très ancrés dans la réalité dans laquelle je vis, dans le monde d'aujourd'hui, et font référence à ça, et en même temps interpellent et habitent un monde plus atemporel, de l'ordre du sensible. Et ça qui m'intéresse, de faire le lien entre ces deux mondes-là. Puisque je porte cette peau de femme que je n'ai pas choisie, et que je la déteste, et que je l'aime, je préfère écrire mes propres histoires sur mon livre de peau. Et à ceux qui pensent que c'est du narcissisme, d'écrire sur soi, sur son corps, sur ses mains, en fait, c'est l'opposé. En fait, j'en ai rien à foutre de moi, et si je m'utilise comme support, c'est parce que je n'ai que ça. C'est que la rareté du matériel accessible aux femmes a été telle que nous sommes devenus cannibales.